Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer les skins secrets de la saison 4 de Fortnite. Alors les skins secrets, ce sont les skins du pass de combat, mais en différentes variantes. Alors pour pouvoir toutes les débloquer, vous allez devoir bien rusher la saison parce qu'il faudra atteindre le niveau 220 pour débloquer toutes les variantes de tous les skins. Alors maintenant, je vais tous vous les présenter. Je vais commencer par le skin Thor. Alors pour débloquer la première variante du skin Thor, il faudra être level 105. Pour la deuxième variante en or, il faudra être level 145. Et pour la troisième variante en holo, il faudra être level 185. Alors maintenant pour le skin Jennifer Walter, il faudra être level 110 pour la version en argent. Pour la version en or, il faudra être level 150. Et pour la version holo, il faudra être 190. Maintenant pour le skin Groot en argent, il faudra être level 115. Pour le skin Groot en or, il faudra être level 155. Et pour le skin Groot en holo, il faudra être level 195. Maintenant pour le skin Tornade en argent, il faudra être level 120. Le skin Tornade en or, il faudra être level 160. Et pour le skin holo, il faudra être niveau 200. Alors pour la version en argent du Docteur Fatalis, il faudra être level 125. Pour la version en or, il faudra être level 165. Et pour la version en holo, il faudra être level 205. Pour la version mystique en argent, il faudra être level 130. Pour la version en or, il faudra être level 170. Et pour la version holo, il faudra être level 210. Maintenant, pour la version de Tony Stark en argent, il faudra être level 135. Pour la version en or, il faudra être level 175. Et pour la version en holo, il faudra être level 215. Et pour le dernier skin secret du pass de combat qui est Wolverine, qu'on débloquera plus tard dans le jeu, il va falloir être level 140 pour la version en argent, 180 pour la version en or et niveau 220 pour la version en holo. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les variantes des skins de la saison 4 de Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool Mec et ciao. Peace.